Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Guédor Lokeba. Je suis bassiste comme vous aussi. Alors à travers cette vidéo, je voulais vous parler des intervalles. C'est quoi déjà un intervalle? Un intervalle, musicalement parlant, je peux la définir comme étant la distance qui sépare des notes, l'écart entre des notes, pas seulement des notes. À partir de 2 ou 3 ou 4, c'est déjà, il y a déjà un intervalle. Donc, en bref, c'est la distance, l'écart entre les notes. Voilà. Pour bien éclaircir ma définition, on connaît tous la succession de ces notes qui est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ou encore. Si vous remarquez, ici c'est do et ici c'est ré. Des do pour arriver à ré, j'ai sauté une case. Cette case ici s'appelle do ré, do dièse, pardon, do dièse. Alors des do à ré, j'ai un intervalle de 1 ton. Parce que les intervalles, j'ai oublié de vous expliquer que les intervalles, c'est calcul par ton. Donc, si je suis en do, des do à ré, j'ai un do dièse ici au milieu. Alors, des do à do dièse, c'est un intervalle de demi-ton. Un intervalle de demi-ton. Un intervalle de demi-ton, c'est lorsque on sort d'une case à la case suivante. D'une case à la case suivante, c'est un intervalle de demi-ton. Donc, do à do dièse, c'est demi-ton. Également, de do dièse à ré, c'est aussi un demi-ton. Mais de do à ré, c'est un ton. Pourquoi un ton? Do dièse, demi-ton, plus do dièse, ré, demi-ton encore, ça fait do à ré, un ton. Voilà, c'est ça les intervalles. Également, des ré à mi. Ici, j'ai un ré dièse. Ou encore mi bémol. Des ré à mi. C'est encore demi-ton. C'est encore, pardon, c'est encore l'intervalle de 1 ton. Voilà. Mais de do à mi, je saute demi-ton, plus demi-ton, ça fait 1 ton. Plus demi-ton, ça fait 1 demi-ton. Plus demi-ton, ça fait 2 tons. C'est-à-dire de ré à mi. J'ai un intervalle de 2 tons. Comment 2 tons? Ré, do, pardon, à ré, c'est un ton. Également, ré à mi, c'est encore un ton. Ce qui me donne de do à ré, un intervalle de 2 tons. Voilà. Ainsi de suite. De même si je suis en sol. Pour aller de sol à la dièse, pardon, de sol à sol dièse ou la bémol, c'est un intervalle de demi-ton. Parce que je pars de la case à la case suivante, demi-ton. Mais pour aller de sol à la, c'est un intervalle de un ton. Parce que sol, sol dièse, un demi-ton. Plus sol dièse, la, demi-ton, ce qui me donne, ce qui fait que de sol à la, ça puisse me donner un intervalle de 1 ton. Voilà, c'est ça, ce qu'on appelle les intervalles. Et ça existe beaucoup, 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 beaucoup de sortes d'intervalles. Il y a des intervalles de 1 ton, 1 demi-ton. Exemple, si je suis en do, on me dit
de jouer l'intervalle de un ton et demi à partir de Do. Alors, c'est simple, il suffit de calculer. Et au fur et à mesure de travailler, et la chose va rester en tête. L'intervalle de un demi ton à partir de Do, ce qui me donne, je connais déjà des Do à Ré, c'est un intervalle de un ton. Il me suffit seulement d'ajouter demi-ton, c'est-à-dire de Ré, j'ajoute un intervalle de demi-ton jusqu'à Ré dièse ou Mi bémol, ça me donne intervalle de demi, un demi-ton. De Do, Mi bémol, de un demi-ton. Un demi-ton. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner. C'est très capital. Ciao et à très bientôt.